Create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to walk on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne Comment est-ce qu'on l'imagine Bon après-midi, de retour euh, ici au centre NAD pour MTL Connect dans l'amphithéâtre principal. MTL Connect, la semaine numérique de Montréal, la sixième édition cette année sur la grande thématique de la métamorphose. Mon nom est Arma Afkami. J'ai eu la chance d'être maître de cérémonie pour tous les euh, derniers trois jours d'événements. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre le pouls. Est-ce que ça va bien? Excellent, vous êtes là. I like it, l'après-midi. Vous n'avez pas besoin de caffeine encore, peut-être une autre dose tantôt. Bien, merci d'être euh, ici présent en si grand nombre et merci à nos internautes également, qui, bien, pas nos internautes, mais les internautes qui nous suivent de partout à travers euh, la planète, des quatre coins de la planète ici pour MTL Connect. Évidemment, c'est un événement hybride. Sous cette grande thématique de métamorphose, on a parlé hier d'intelligence artificielle, de culture et créativité, le maillage entre ces deux différents topics. Aujourd'hui, on a parlé de cybersécurité, on a eu la Frousse, on a changé nos mots de passe. On parle aussi depuis ce, cet après-midi ici dans la grande salle d'éducation de, euh, de, et d'inclusion numérique. On a eu des super panels et c'est le temps de vous pr présenter la grande conférence sur l'éducation et l'inclusion numérique. Euh, alors, euh, de, de ce pas, j'aimerais vous présenter votre grand conférencier. Mais juste avant deux, trois petites affaires, je vous dis que l'événement va se terminer d'ici la fin de la journée. Déjà, on va avoir un 5 à 7 et rester des nôtres. On a la remise des prix des MTL Tech Awards, qui va être très excitant. C'était des super projets. Donc, n'allez pas nulle part. On va avoir un 5 à 7. Et demain, on va avoir un événement officiel pour clôturer l'événement euh, 2024. Donc, pour la fin de la sixième édition de MTL Connect, nous avons un événement euh, multisensoriel euh, euh, interactif à la SAT. Et on vous invite à vous inscrire. Il reste encore de la place. sat.qc.ca. On vous invite à vous inscrire. Bon. Est-ce qu'on est prêt pour cette grande conférence? OK, vous êtes un public euh, à l'écoute, j'aime ça. Deux petites notes, on est rentré par l'entrée. Si jamais vous devez sortir pendant la présentation, on vous demandera de quitter par la porte en arrière qui est la sortie. Entrée, sortie, entrée, sortie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter notre panéliste à prendre la parole. Il est fondateur du cluster EdTech Grand Ouest, speaker EdTech. Il est explorateur, bâtisseur, CEO. SAS Blended Learning. Et jusqu'à il y a une heure, il est l'ex-président de EdTech France. Sans plus tarder, je vous présente Yannick Raffena. Oh. Je suis très content d'être là. C'est voilà. être à la, à la rencontre des cousins québécois, c'est important. Je suis pas là pour euh, dire ce qu'il faut penser, je suis au contraire là pour euh, essayer d'ouvrir les portes. Je dis souvent, je me présente comme un, un décapsuleur de tête, euh, ça veut dire que j'essaye de faire penser autrement. Euh, mais ça fait 30 ans que je suis dans euh, le, le learning, de, de 30 ans que je suis dans la pédagogie, dans l'innovation et. Euh, Hop, je vais aller tout de suite. Ah oui, mais on a sauté. Non, je ne l'ai pas. Mais si, voilà, voilà. Euh, un, un portrait fait avec de l'IA, pourquoi pas. Euh, J'ai plein de casquettes différentes. Plein de casquettes parce que c'est un domaine en 30 ans où euh, j'interviens à plein de niveaux différents. Euh, on a parlé tout de suite de Head Tech. Il faut que je dise ce que c'est en France, la Head Tech. Et j'étais président depuis 4 ans de Head Tech France. Mais il y a eu une nouvelle élection, j'avais pas le droit de me présenter parce que ça faisait deux mandats que je le faisais et, et du coup depuis une heure je ne suis plus président de la Tech France et c'est génial j'ai dit toujours les associations euh, donc les, les euh, OBNF euh, c'est comme les enfants on les construit, mais ils ne nous appartiennent pas. Et ce qui est important, c'est de les laisser grandir pour vivre leur vie. Donc c'est un de ces moments-là que je partage avec vous. Hein. Ça sera ça été vécu au Québec. Et, et, euh, et, et, et Tech France, ça regroupe toutes les entreprises qui travaillent dans le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle tout au long de la vie et du corporate learning. Donc euh, j'ai cette vision de ces 480 entreprises qui travaillent dans ce domaine-là et moi eh j'ai été maître de conférence en université, j'ai je suis toujours euh, euh, chef d'entreprise et euh, je pilote des projets euh, de consortium avec les académies avec euh, des euh, Plein de 15 entreprises tech pour pouvoir lutter contre les décrochages scolaires. Donc, euh, ça, voilà, ça, c'est tout ce mélange-là que j'essaye de, de vous partager avec euh, cette problématique de euh, euh, finalement euh, les arrivées des, des technologies qu'est-ce que ça change aux postures des euh, acteurs de l'éducation, de la formation. Alors, souvent, je veux dire enseignant, euh, formateur, euh, tout ça, c'est la même chose. Je ne veux pas faire de différence hein, entre euh, est-ce qu'on est instituteur, professeur, professeur des écoles, professeur d'université, formateur. Pour moi, tout ça, c'est un, un tout. D'accord euh, Alors, je vais faire des références à la façon dont c'est construit en France. C'est certainement différent chez vous, mais je pense que vous allez pouvoir faire les, les allers-retours entre tout ça. Et, euh, et oui, j'ai été le, le, le directeur éditorial d'Open Classroom, ce qui est un très gros acteur en France, euh, pour aller construire, modéliser ça. Donc, des, des, des beaux champs d'expérience de, avec 3 millions d'apprenants tous les mois qui venaient sur la plateforme. De MOOC, j'ai entendu parler de MOOC tout à l'heure, euh, même si on parle plus de MOOC maintenant. Mais voilà. On va parler de tout ça ensemble. Euh, et dernière chose, j'avais préparé cette présentation il y a quelques semaines. Et depuis trois jours, je suis là en train de rencontrer plein de monde, plein de gens passionnants. Et, et je vais la faire exploser, ma présentation. Parce qu'il y a plein de choses euh, qui, qui m'amènent à, à dire, non mais ça... Ok, c'est connu ici et c'est déjà mature. On va parler et je vais refaire des focus sur d'autres points. Donc euh, voilà, euh, je, je m'excuse d'avance. Il y a plein de choses que je vais passer et, et je vais aller aussi dans l'improvisation qui donne euh, la garantie d'authenticité. Voilà. Euh ça, deux images. Évidemment, évidemment, on va parler de ChatGPT. Mais moi, j'ai jamais parlé. Je vais jamais. Quand je vais parler d'IA générative, je vais jamais vous parler de ChatGPT. ChatGPT est un produit parmi tous les autres. Et volontairement, je ne parlerai plus de ChatGPT. Mais je parlerai d'intelligence artificielle générative. Ou d'accord Comme ça, je parlais de tous les outils, parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement d'autres, d'accord Des Français, peut-être des Québécois aussi, euh, des Américains, etc. Euh, à côté, j'ai mis une image, vous, ça vous dit certainement rien, cette image-là. Quelqu'un euh, la connaît ou pas Cette image-là, en France, c'est... Euh le, le logo d'un très gros événement qui se passe en fin janvier dans le parc des expositions à Paris, Port-de-Versailles, qui s'appelle le Salon Learning Technology, qui est le salon dans lequel il y a 12 000 personnes qui viennent pour pouvoir faire l'inventaire de toutes les évolutions technologiques, où il y a toutes les startups, toutes les grosses entreprises françaises, américaines et autres, qui viennent présenter leurs outils pour les vendre. Et quand un, un, un pédagogue, quel qu'il soit, vient dans le salon, il est mais, couvert, Il, est, il, est, il est, je fais souvent référence à un film, euh, euh, c'est euh, Lost in Translation, ça vous rappelle quelque chose, ce film, euh, il est là, il ne sait pas par où prendre les choses. Il y a tellement d'idées, de, de, il y a tellement de produits, euh, et on ne sait pas quoi choisir. Et on est totalement paumé. Euh, totalement paumé, alors que euh, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe pour toutes les personnes qui sont en train de se former euh, et qui veulent aller vers euh, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Moi, j'aime bien regarder d'où on vient euh, pour pouvoir faire le tour de là où on est, pour comprendre là où on va. Et d'où est-ce qu'on vient Regardons, il euh, y, a, y, a, y a 20 ans, tous ces métiers-là n'existaient pas. D'accord. Et on pouvait même pas les imaginer. Euh, J'ai accompagné euh, le déploiement de Apple euh, avec l'iPhone en France pour aller faire les formations euh, des vendeurs de téléphonie où il fallait essayer d'expliquer aux vendeurs de chez Orange à quoi ça allait pouvoir servir d'avoir de la data dans un smartphone. Dans, on ne disait pas smartphone dans un téléphone. Et, 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 et on savait pas à quoi ça allait servir. D'accord. Ces métiers-là, ils n'existaient pas. Euh, data scientist. C'était absolument inconnu. Community manager, ça n'existait évidemment pas. Influenceur digital, et coach de bien-être et de développement personnel. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là On est en train de parler tech. Mais oui, non, mais ce sont des nouveaux métiers qui sont venus aussi en même temps que ces euh, euh, apports ou transformations étaient amenés par euh, la tech. Euh, donc, tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas. Et parallèlement à ça, eh ben, on a plein de métiers qui arrivent. Plein de métiers qui, aujourd'hui, ne nous permettent pas de savoir quels seront les métiers de demain. Et quand on essaye, euh, alors il y a des prévisionnistes, il y a plein de personnes qui essayent de dire, mais voilà, il va y avoir tel métier, ces métiers-là vont être supprimés, etc. Les débats sont énormes et sont totalement contradictoires. Parce qu'à euh, un moment donné, on, on nous a dit, il y a un an et demi, on nous a dit, voilà, ouais, il y a au moins 30% des métiers qui vont disparaître, ça va être la, vraiment la catastrophe, etc. Maintenant, les derniers analyses disent, allez, si 5% des métiers, vraiment sur des niches très particulières, disparaissent, c'est... Le maximum. D'accord Donc, on ne sait pas quels sont les métiers qui vont disparaître, qui vont bouger, etc. Euh, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, c'est sûr. Euh, et, 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 et finalement, est-ce que c'est ça la bonne question à se poser Est-ce que ce sont euh, vraiment ces nouveaux métiers qu'il faudrait euh, aujourd'hui euh, équiper, préparer et pour former euh, tous ces gens à, à ces choses euh, étonnantes Je pense que ce n'est pas la bonne manière de se poser la question. Et euh, en France, L'OCDE en Europe euh, a, a essayé de faire un prévisionnel et a finalement dit, eh bien, non, non, mais euh, on ne sait pas les métiers, on ne peut pas les imaginer encore. Par contre, on est capable d'aller prévoir quelles sont les compétences qui vont être nécessaires. Et, et vous allez voir, ça va être très intéressant d'aller parler de ces compétences. Avec une vision tout à fait particulière qui est que, et est là on est dans la métamorphose, là on est dans la grande transformation. C'est que, avant, et quand on, le, le avant, il n'est pas loin. Hein. Avant, au fur et à mesure que l'on avançait dans son euh, parcours professionnel, on accumulait des compétences. On vivait les compétences comme un stock dans lequel, au fur et à mesure, on construisait sa pyramide et son stock de compétences. Aujourd'hui, vous savez quelle est la durée de vie moyenne des compétences C'est au maximum de trois mois. Pardon, au maximum de trois ans et au minimum, ça peut être de trois mois. Quand on est dans la data analyst, data scientist, si on ne se met pas à jour ses compétences au fur et à mesure, eh bien, ces compétences, elles sont obsolètes. On est donc dans une obligation de voir la compétence comme une gestion de flux, c'est un flux, et il faut surfer sur ce flux au fur et à mesure pour pouvoir maintenir ses compétences. Donc la question de l'éducation, de la formation, elle est devenue mais fondamentale dans la transformation de la société. Et cette obligation de se former tout au long de la vie, eh bien évidemment, elle est totalement impactée par les outils technologiques. Et vous allez voir. Pourtant, une fois que j'ai dit ça, on a vécu vous, comme nous, comme tout le monde autour de cette planète, ce moment où on m'a dit que eh ben, c'est l'apogée de la head-tech, la crise Covid, la crise sanitaire, 2020-2021, ben voilà, tout le monde se retrouve confronté à l'obligation de se former à distance. Très bien, euh, très bien, je ne sais pas. Très bien, euh, parce que... Euh, euh, j'ai moi dans, 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 dans le journal Le Monde euh, fait une interview euh, et, 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 et je me suis pris plein la figure parce que je disais mais attendez, euh, c'est une crise sanitaire, c'est une crise sociétale, oui on a mis en place des ressources, on a mis en place des moyens de continuer à se former, de continuer à éduquer tout le monde, mais ça s'est traduit par quoi Ça s'est traduit technologiquement par... Il n'y avait rien de près, une seule réponse unique, de la classe virtuelle. Et la classe virtuelle, ça a été quoi Une catastrophe pédagogique pour les apprenants et pour les formateurs. Pourquoi Parce qu'on est revenu un siècle en arrière. On est revenu, là vous avez le CNAM, le Conservatoire des arts et des métiers à Paris. On est dans les années 1800. Vous avez un sachant qui est là. Il n'y a pas de caméra, mais il est avec son audience. Eh bien avec la classe virtuelle on est potentiellement exactement dans la même posture un sachant des personnes qui sont passives tandis que là il y a un siècle quand les apprenants ils vont se retrouver dans l'amphithéâtre, eh bien ils savent qu'ils vont pouvoir boire un coup avant après discuter avec leurs collègues et qu'ils appartiennent à une cohorte ils, app... ils font société et c'est ça qui va les tenir et qui va les motiver à apprendre alors que ce que l'on vécu, les apprenants et je pense qu'on est tous confrontés, on a été tous confrontés à ça. Eh bien, ça a été au contraire cette situation où on s'est senti abandonné face à son écran. Et on voit la conséquence maintenant. Je ne sais pas si au Québec c'est comme en France. Mais tout le monde a dit après, Oh, mais surtout, on veut pouvoir revenir, se mettre dans les salles de classe, on veut pouvoir revenir sur les bancs de la faculté, etc. Euh, C'est-à-dire revenir en arrière. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Et, et c'est là où ça ouvre quelque chose qui est tout à fait intéressant. Ça, c'est une image qui date de 1900. Parce qu'en 1900, on était tous en train de se projeter sur les années... 2000, qu'à être la grande transformation. Et il y a eu plein de gravures qui ont été faites comme ça où on disait, imaginez les transports, imaginez euh, et là, ça c'est la gravure, imaginez l'école en l'an 2000. Donc ça c'est fait en 1900. Et je dis quoi Je dis que nos décideurs politiques nos financeurs et beaucoup, nombre de représentants de ceux qui ont le pouvoir dans toutes les organisations sont restés bloqués sur cette image et sur ce fantasme que la technologie va permettre de transformer la manière de former. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on dit Et moi, on vient me chercher très très souvent. On me dit, tiens Yannick, aide-nous, nous devons... Digitaliser la formation. Comme si l'enjeu était de digitaliser un contenu de formation pour en faire un support autoporteur de formation. Qu'est-ce qui se passe là Le savoir, il est en train de digitaliser. Il a le savoir, l'enseignant, symbolisé par les bouquins, il le met dans le broyeur et de ce broyeur il y a les fils et les casques et. Ben oui, c'est bien connu, apprendre, c'est simplement se prendre les trucs dans la tête. Et après, ben, ça y est, on sait les choses. Voilà la représentation qu'on avait de ce que c'est qu'apprendre. Et nombre d'individus pensent encore que c'est ça. Le, le, le vrai défi aujourd'hui. Si ça devait marcher, ça se saurait. Euh, S'il si, euh, suffisait de se coucher, on a, euh, ouais, moi j'ai connu ça quand j'étais môme, il y avait la méthode assimile. Les méthodes Assimil, c'est pour apprendre l'anglais. Je me couche le soir avec la cassette et le casque, et le lendemain matin, bah, c'est bien sûr, je ne sais pas l'anglais. D'accord Bref, si ça devait marcher, ça se saurait. Euh, Derrière l'acronyme OF que vous voyez là, c'est les organismes de formation. Donc euh, ici, ça parle, c'est d'autres noms. Euh, ça, c'est une étude qui a été faite en France sur euh, tous ces organismes de formation qui vont aller former à tous les différents métiers. Euh, c'est quoi leur stratégie aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Vers où ils veulent aller Est-ce qu'ils euh, veulent aller Est-ce qu'ils ont basculé sur des modalités 100% en ligne Il y en a deux. Fois plus qu'avant la crise sanitaire qui, qui ont basculé, est-ce qu'ils veulent aller uniquement sur du tout en ligne Eh bien, il y en a 60% qui disent non, non, mais on ne veut pas aller, nous, que sur du tout en ligne. On veut aller sur du hybride. Et c'est là où on va commencer à creuser les choses. On va commencer à creuser les choses avec ce, ce, ce résultat dans cette étude qui a été faite par euh, le, une, une boîte qui s'appelle ISTF qui est à Nantes et qui est absolument passionnante. parce que on regarde quoi On regarde d'un côté ce qui nous importe quand on forme des gens, quand on les met dans un programme, c'est combien est ce que de personnes sont allées jusqu'au bout de la formation. C'est ce qu'on appelle le taux de complétion, d'accord Taux de complétion, eh bien, on a quoi sur des dispositifs où c'est 100% en ligne, sans rien, sans aucun accompagnement, sans support Le taux de complétion pour 53% des dispositifs, il est inférieur à 20%. J'ai beaucoup travaillé dans les MOOC et dans les MOOC, même pour Open Classroom, ça a créé 3 millions d'utilisateurs. On a démarré au début, il y avait 5% des personnes qui allaient au bout des formations, et après on était super content parce qu'on arrivait à faire qu'il y en ait peut-être 15% qui aillent jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on a 85% minimum de personnes qui, ben, finalement, ils avaient l'intention de se former, ils ont fait l'effort de s'inscrire, ils, ils ont voulu y aller, et ils ont décroché. D'accord Donc est-ce qu'on s'occupe des 15% ou est-ce qu'on s'occupe des 85% De l'autre côté, ce sont les dispositifs dans lesquels on a mis de l'humain en plus. On a mis du mentorat, du tutorat, on peut appeler ça de plein de manières différentes. Et là, qu'est-ce qu'on remarque Que les dispositifs dans lesquels on a mis de l'humain, du mentorat, le taux de complétion, il est supérieur à 60%. D'accord Donc, de l'impact de l'humain sur des dispositifs technologiques, c'est juste phénoménal. C'est vraiment quelque chose de colossal. Ça interroge quand même. Alors, le résultat par rapport à tout ce qui s'est vécu dans ces dernières années, de ce que l'on peut tirer comme enseignement, c'est quoi C'est que, il y a, depuis les années 90, on, on a ouvert le chantier qui s'appelait en France le chantier de la FOAD, de la formation ouverte et à distance, où le défi était de dire arrêtons de faire se déplacer les personnes, est-ce qu'on peut travailler autrement, arrêtons de croire qu'aller euh, euh, former dans une salle dans laquelle on a 20 ou 30 personnes qui ont des profils différents, qui ont des besoins différents, des, des euh, prérequis différents, des objectifs différents, on ne peut pas faire la même chose, il va falloir individualiser. Euh, la formation. Donc il faut trouver une réponse à ça. Et pas une réponse, euh, la, la question n'était pas technologique, mais le besoin, il était là. Eh bien, euh, on a dit, euh, on va basculer d'un modèle en tout présentiel à un autre modèle qui serait le tout distanciel. Donc on a opposé le présentiel et le distanciel. Euh, après, euh, on a opposé le digital, le numérique, euh, au, euh, à l'humain. Après, on a aussi euh, opposé euh, le synchrone, donc on, ça, ça se passe euh, de manière synchrone à hein, de l'asynchrone, on va pouvoir à tout moment se former comme on veut. Or, ce qui est fondamental, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui dire « on va basculer d'un État à un autre État », ça n'a pas de sens. C'est bien... Les modalités hybrides qui fonctionnent et on va le voir. Ces modalités hybrides et vous allez voir, mais vous allez vous dire, mais Yannick, tu ne nous parles pas encore d'IA. Mais non, non, mais je ne parle pas d'IA. Mais c'est je, je, je pose les éléments du contexte qui vont permettre de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de l'IA. Eh bien, c'est que on ne peut plus opposer. C'est parce que l'on va aller chercher le meilleur du digital. Qu'on va pouvoir aller chercher le meilleur de l'humain, le meilleur du présentiel et le meilleur du distanciel. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de basculer de tout à tout autre chose. OK Alors, euh, en France, en plus, il y a plein de choses. Alors, on a des réformes, hein, c'est comme chez vous, euh, et il euh, y a un système de formation qui est pris en charge et dans lequel euh, on paye au temps passé de la formation. Cette notion de payer ou se faire rembourser l'investissement dans la formation au temps passé ça n'a plus aucun sens. Avant, on, on achetait de la journée de formation. Euh, après, on nous a demandé d'acheter de, des choses à l'heure de formation. Mais il y a des gens. Euh, ça n'a plus aucun sens. Maintenant, euh, cette notion-là n'est pas encore intégrée par les politiques, les financeurs de la formation. Cette notion de temps de formation n'a plus aucun sens. Ce n'est pas parce qu'elle va faire 60 jours qu'elle va être meilleure qu'une qui peut être faite en, en 10 jours, mais qui va être extraordinaire parce qu'elle va être avec de l'arrêté virtuelle, immersive et avec euh, des modalités. Des, pédagogique extrêmement bien développé. Deuxième élément euh, fondamental, c'est euh, la notion de retour sur investissement sur la formation. Est-ce qu'une entreprise est capable d'investir de, sur des machines et elle attend un gain de productivité et de la même manière est-ce qu'elle n'est pas capable d'aller investir sur de la formation? À condition qu'on lui prouve que la formation qu'on va faire va être utile et qu'elle-même va provoquer un retour sur investissement. Ça, c'est la vraie question. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, ça demande. D'avoir face à l'entreprise des pédagogues, des, des responsables de dispositifs de formation qui soient capables d'aller démontrer l'impact, de le mesurer, donc d'aller mettre des indicateurs clés de performance, des KPI, pour pouvoir dire voilà, moi je vous garantis que la formation, elle va se traduire par ça. Là, on parle métier, on parle métier, et à ce moment-là, ça, ça oblige à oublier tout le verbiage du monde de la formation qui. Euh, Finalement, euh, ce complet euh, en normes, les normes SCORM, euh, en France, le système Calliope, euh, euh, la prise en charge par les organismes de, de financement, etc. Mais, mais tout ça, euh, on oublie quand on parle de tout ça, on ne parle pas des apprenants, on ne parle pas de l'impact métier. Or, c'est la seule chose qui compte. Donc, tout ça, ça a transformé beaucoup, beaucoup la manière d'aller voir la formation. Et l'autre élément supplémentaire, ce sont les neurosciences les sciences cognitives. Parce qu'on ne peut plus aujourd'hui aller concevoir des dispositifs et faire des, 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 des parcours de pédagogie sans utiliser tout ce que les neurosciences viennent de nous apprendre sur les dix dernières années. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, euh, on doit maintenant euh, prendre en compte... Tout ce que l'on sait sur ce que c'est qu'apprendre à apprendre, sur comment fonctionne le cerveau, sur euh, tous les conflits qu'il peut y avoir. Et tout ça, ça ramène à quoi Ça ramène finalement à... Mais un formateur, c'est quoi un formateur À quoi ça sert un formateur C'est quoi son rôle Est-ce qu'on continue sur cette vision que l'on avait avant que le formateur ou l'enseignant, c'était celui qui devait transmettre Mais. Euh, Michel Serre, grand philosophe, disait de sa petite fille, la petite poussette, elle avait le monde dans la main parce qu'elle a son smartphone. Parce qu'avec son smartphone, tout le monde est potentiellement en possibilité d'accéder à tous les savoirs. Moi, je pars toujours du principe qu'il ne faut surtout plus produire de, de ressources pédagogiques parce que les ressources, elles sont là, elles sont disponibles. La question n'est pas d'aller produire la question est justement d'aller se repositionner là où on est, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire, parce que mon rôle, c'est d'aller apporter des éléments fondamentaux d'accompagnement et d'aller créer des activités pédagogiques qui vont permettre de faire l'appropriation et le transfert dans les situations de travail, c'est-à-dire de... Parce que si on veut développer des compétences, il faut aller transférer ça dans, au plus près de la réalité de ce qu'on va faire pour que ça soit... Utile et parce que c'est dans la répétition et avec du temps qu'on va développer des compétences. Donc, le transfert des capacités en compétences, ça, c'est la responsabilité du pédagogue. Et c'est à lui de créer les conditions. Et pour ça, il va utiliser les sciences cognitives et il va être capable d'aller le démontrer et de mesurer l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est le rôle du formateur, de l'enseignant, du pédagogue. Et ce n'est plus un rôle de transmetteur. Et par contre, amener, développer de la motivation, développer de la motivation parce qu'on le sait très bien, si je vous demande à tous et à chacun, chacune d'entre vous, si on se rappelle qui nous a marqués dans nos parcours d'enseignement, ce n'est pas des grands savants, ce sont des gens qui ont amené de l'émotion, qui ont amené quelque chose, ce supplément d'âme, de la présence, de l'empathie, de, 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 de l'écoute, de, 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 de tout ce que l'on veut. Mais ce sont des individus, des personnes qui ont amené cette dimension émotionnelle. Ça, jamais la machine l'amènera. Et ça, c'est aussi le rôle du formateur. Donc, moi, j'en ai résumé. Mais je vais passer vite là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet. Euh, que Si on veut faire des dispositifs qui fonctionnent bien, eh bien, d'abord, on va mettre des modalités hybrides. Parce qu'on va mettre le meilleur du digital et le meilleur de l'humain, euh, du présentiel, du distanciel, etc. Qu'on va mettre des pédagogies actives avec de l'apprentissage par le projet, c'est apprendre en faisant. On a besoin de ça. Et là, il n'y a rien de nouveau. Hein. <laughs> Célestin Freinet, en 1922-23, écrivait la méthode Freinet qui est de la pédagogie active. On apprend en faisant. Mais on n'apprend pas seul, parce que apprendre, c'est apprendre avec et par les autres, qu'on a besoin de cette dimension sociale, parce que l'homme est ainsi fait, sauf quelques personnes qui peuvent s'en passer. Donc apprendre avec et par les autres, eh bien, ça nécessite qu'on crée les conditions pour être avec les autres. et que l'on a besoin d'être accompagné. On en reparlera un tout petit peu après. Et enfin, euh, d'aller utiliser le meilleur que la techno peut apporter, c'est-à-dire des parcours individualisés, personnalisés, avec euh, les algorithmes qui permettent aussi de créer cette dimension d'adaptive learning, euh, donc euh, de, de, de formation euh, au fur et à mesure euh, qui permettent de s'ajuster en fonction de, des actions de l'apprenant. Tout ça, ce sont les, les piliers. Je passe vite là-dessus parce que je les, je les détaille, mais euh, euh, tiens, mais je vais reparler quand même d'une chose. Je vais reparler d'une chose sur la puissance du digital learning. Euh, on a cru, là, dans les, dans les années 2000, euh, 2000, on va dire, à, 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 à bientôt, euh, c'était de se dire, mais il suffit d'utiliser le digital. Il suffit d'aller faire de la vidéo. D'ailleurs, les MOOC ont été faits en 2000. 13, hein, euh, les, les MOOCs sont apparus en 2013 autour de cette notion qui était de dire, eh ben très bien, on va aller ch ch chercher les meilleurs experts, c'est ce que j'ai fait moi à Open Classrooms, on va aller chercher les meilleurs experts, on va les mettre devant un fond vert avec un prompteur, une caméra et on va les faire parler pour qu'ils transmettent leur expertise. On va mettre ça sous forme de vidéo et en faisant des exercices, etc., pour pouvoir découper ça sur un parcours de formation. Mais apporter de la vidéo comme ça, est-ce que l'on utilise le potentiel de la vidéo quand on fait ça Alors que la vidéo, si on regarde l'usage de tous les jeunes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils se détournent totalement de la télévision Ils ne regardent plus la télévision. Ils regardent quoi Leur smartphone pour aller sur TikTok, Insta, etc. Ce qu'ils vont chercher, c'est l'émotion, c'est le geste, c'est l'authenticité, entre guillemets. Le, le, je disais ça, l'authenticité, euh, il y a quelques années. Maintenant, euh, où elle est, l'authenticité En tout cas, le semblant d'authenticité, on va dire. D'accord de, de quelque chose de, de spontané, etc. Et, 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 euh, mais surtout pas de l'image produite en, en studio télé. D'accord Au contraire. Alors que si on utilise son smartphone pour pouvoir faire de la vidéo, si on utilise quelque chose qui est en train de montrer le geste, le comment est-ce que l'on produit au plus près des vraies réalités, là on utilise le potentiel du média. Et, et, et savoir oublier de mettre des experts devant un fond vert, parce que ça, ça n'apporte rien. On apprend bien mieux parce qu'au moins on peut faire un contrôle F sur un PDF, où on va aller chercher des mots, les associer, les surligner, etc., que d'avoir quelqu'un qui est en train de nous parler euh, avec le sous-titrage en dessous. Je veux dire, ça n'apporte la, la vidéo n'apporte rien si c'est juste de transmettre comme ça sur un fond vert. Voilà. Euh, Qu'est-ce que l'on a d'autre euh, Apprendre en faisant, je vous l'ai dit, c'est absolument essentiel. Mais si on veut faire ça, et là, ce que je vais mettre en, euh, en avant, c'est que l'expertise du formateur, ça va être quoi Ça va être, ou de l'enseignant, c'est d'aller inventer des activités pédagogiques qui vont permettre d'aller utiliser du potentiel de ressources pour donner des exercices. Quand je dis des exercices, attention J'ouvre la porte, je vais en reparler après, mais ce n'est pas un exercice d'évaluation. D'accord On va reparler de l'évaluation, la catastrophe. L'évaluation, ces activités qu'on donne, non pas pour que les gens apprennent, mais pour pouvoir évaluer. Avec, euh, en oubliant que l'évaluation, euh, elle peut être euh, normative, c'est bien, c'est pas bien. Sommative, euh, ben, tu as 5, tu as 10, tu as 20, euh, euh, mais... mais, mais euh, ce que l'on demande, c'est des activités dans lesquelles on va faire, parce que faire pour apprendre, donc des choses qui vont être utiles sur l'apprentissage. Et, euh, et évidemment, la dimension de apprendre avec et par les autres. Là-dessus, je vais vous redonner juste un chiffre, parce qu'on oublie tout le temps ça. C'est que, euh, je vous disais tout à l'heure, euh, grosso modo, toutes les études, et ça n'a pas changé depuis euh, des dizaines d'années, il y a, grosso modo, 5% de la population qui est dotée d'une compétence clé. Cette compétence, elle s'appelle l'autodidaxie. L'autodidaxie, c'est quoi C'est la capacité d'apprendre par soi-même. Et, 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 et avant, sans Internet, comment est-ce que les gens faisaient Ils allaient à la bibliothèque universitaire ou ils allaient chez le libraire chercher les bouquins. Et il y a 5% de la population qui a cette compétence et qui est capable d'apprendre par lui-même. Les 95 autres pourcents, ils ont besoin des autres. Ils ont besoin, à minima, d'être accompagnés sur apprends-moi à apprendre, aide-moi pour pas que je me sente tout seul. Parce que cette situation où on se retrouve tout seul, qui est l'auto-formation, c'est vécu comme une situation d'auto-abandon. Et c'est la raison principale de, de ce taux d'attrition. Catastrophique que l'on a dans les dispositifs de formation où les gens, ben, on leur dit Mais vous avez toutes les ressources, débrouillez-vous maintenant. Et ouais, très bien, et j'y vais. Et évidemment, je décroche. Donc cette compétence clé là, il faut qu'on l'apprenne aux jeunes et aux adultes, qu'on leur donne cette euh, capacité à apprendre et surtout qu'on crée ben, les autres dimensions euh, de faire les choses en groupe, corriger euh, euh, ce qu'on fait par les autres, euh, par les pairs, euh, de produire des choses qui vont servir aux autres, etc., etc. C'est fondamental. Et euh, évidemment, toute la notion qu'il y a eu avec euh, les forums, etc. Et enfin ce rôle du mentor, ce rôle du tuteur, et qui n'est pas celui qui va amener le contenu, mais qui va être celui qui prend soin de chacun des apprenants et qui va euh, s'intéresser sur qu'est-ce qui bloque, de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider, bref, qui va faire exister l'individu pour qu'il se dise tiens, on prend soin de moi, et bien ok, même quand j'ai un coup de mou, ça me permet de continuer à avancer. Okay Ça, c'est essentiel. Euh, je vous ai dit après, euh, bien, tous les éléments avec euh, évidemment de l'ingénierie pédagogique, avec des micro-ressources, avec tout ce qui ouvre la, la, la voie au, au micro-learning, au quick learning, etc. Euh, évidemment, l'apport des neurosciences et évidemment des ressources qui permettent d'être utiliser aussi bien sur son smartphone que sur sa tablette, son ordinateur, etc., de manière totalement compatible. Voilà. Tout ça, c'est des conditions vraiment qui sont utiles et indispensables. Alors, maintenant que j'ai posé, alors je suis désolé, hein, j'ai été long dans mon introduction, mais vous allez comprendre que, ça, que tout ça, ça a du sens. Euh, mais finalement, euh, on a peur de l'IA euh, où on s'en sert euh, Parce que là, depuis deux ans, on va, ça, on va fêter les deux ans, là, bientôt, hein, l'arrivée euh, de l'IA générative, euh, et surtout pas simplement de l'IA, parce que l'IA, dans le monde de la formation, on s'en sert déjà depuis 10 ans, 15 ans. Hein. En, en France, il y a une boîte, par exemple, euh, qui s'appelait Wounos, et qui s'appelle toujours Wounos, projet Voltaire, et je l'utilise, l'IA, ce qu'on appelait les systèmes experts, déjà depuis... 2005, 2008, hein, donc euh, c'est quelque chose qui est déjà bien établi ça. Mais il y a euh, évidemment, j'ai toujours repris le temps, mais là je vais passer très vite parce que je pense que ça c'est vraiment connu pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est des algorithmes euh, avec des modèles de langage euh, et euh, cette capacité à traduire le texte en voix, le, la voix en texte, etc. Et, et un corpus. Et là, là, on commence à toucher du doigt quelque chose d'absolument fondamental. Le corpus, qui l'a fourni, où est-ce qu'il est, à qui il appartient, est-ce qu'il est fiable, etc. Toutes ces questions euh, qu'on est en droit de se poser, et c'est même plus qu'en droit qu'il est absolument indispensable de se poser. Euh, évidemment, on donne des consignes, on rédige un prompt. Attention, euh, pour pouvoir faire ça... Euh, ça demande une compétence, euh, et, et c'est pas comme encore une fois, on nous parle toujours de la, la génération Z, euh, ces, ces personnes, les digital natives, on dit en bon français. Euh, les, où on se dit, mais ça, y est, mais ça y est, les jeunes, ils sont nés avec un smartphone dans la poche, euh, ils savent utiliser. Mais c'est une catastrophe, on le sait très bien. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu aussi peu de compétences numériques, mais il y a eu plein de débats là-dessus. Hein, quand on voit arriver à la fac, à l'université, les gens, maintenant, euh, ils ne savent absolument pas du tout se servir de quoi que ce soit, euh, sur un traitement de texte, sur un tableur ou quoi que ce soit. Hein, donc, euh, ce n'est pas parce qu'ils sont avec un téléphone, au contraire, qu'ils savent se servir des, des outils. Est-ce qu'on va faire la même erreur sur l'IA Est-ce qu'on va dire, mais non, ils sont, ils sont nés avec l'IA, donc ils savent s'en servir Non. Qui va former les générations à venir sur l'IA Ça, c'est la vraie question. De qui c'est la responsabilité euh, De la même manière, je pourrais faire juste une petite parenthèse. Qui va former les enfants à l'usage du smartphone, à l'usage intelligent est-ce que c'est l'éducation nationale qui le fait ou est-ce que la seule réponse de l'école, c'est de dire interdiction du téléphone en classe Est-ce qu'on règle la question comme ça euh, Et en disant non, non c'est aux parents de le faire. Regardez, regardons-nous, en tant que modèle de parent, euh, est-ce qu'on donne un bon modèle à nos enfants sur notre usage des smartphones Donc, qui va leur apprendre enfin un bon usage est-ce qu'on se repasse la patate chaude de chacun ou est-ce qu'on se dit que c'est un problème de société qui nécessite qu'on le prenne réellement en compte et que ça fasse partie des missions d'apprentissage pour faire que les citoyens de demain soient capables de se servir de manière intelligente et du smartphone et de l'intelligence artificielle générative Ça, c'est des vraies questions de société absolument fondamentales. Alors, euh, évidemment, le l'IA générative, c'est un outil fabuleux, potentiellement, pour les enseignants et les formateurs. C'est fabuleux pour pouvoir aller produire des ressources. C'est fabuleux pour pouvoir s'aider à rédiger du contenu, des textes et des choses vraiment, euh, euh, qui, potentiellement, peuvent être de qualité. Euh, aller générer des explications, faire quelque chose. Tiens, par exemple, le rêve de tout enseignant, c'est pouvoir faire des corrections individualisées. Au, euh, à ces élèves. Quand je dis des corrections individualisées, c'est dans lesquelles on va leur faire un vrai retour sur ce qui pourrait être euh, optimisé et on va leur donner les moyens et les indications de comment progresser. Mais ça, si on devait faire ça, une correction de cette manière-là, sur tous les, 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 les documents qu'on leur demande de produire, il faudrait des heures et des heures de correction. Ça, l'IA générative, ça le fait de manière extraordinaire. Donc pourquoi est-ce qu'on se préverait de ça euh, Donc des grilles d'évaluation, des objectifs, tout ça, ça permet de le faire de manière plutôt hyper performante. Euh, on peut s'en servir, alors je vous donne des exemples, faire une je donne une formation pendant une semaine et je vais fournir... Le, le condensé de la formation avec les 25 points clés euh, et les moyens mémotechniques pour s'en souvenir, l'IA générative, il suffit quasiment d'appuyer sur le bouton pour que ça me le sorte. Et je vais pouvoir amener une vraie plus-value à mes apprenants en leur apportant cet élément-là. Tous ces exemples-là, c'est juste incroyable et extraordinaire. Oui, c'est incroyable et extraordinaire, avec toutes les réserves que je vais réapporter juste après. Mais surtout... Je me dire, mais tiens, finalement, tout ça, c'était le rêve des, 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 des formateurs, des enseignants. Ils vont pouvoir le faire, ils vont gagner d'un temps incroyable, oui. Gagner du temps. Pourquoi Pourquoi gagner du temps Pour faire plus Est-ce qu'on veut transformer les enseignants, les formateurs, en hamsters qui vont tourner dans la roue pour faire de plus en plus, plus en plus de choses, parce qu'on gagne du temps 90% des choses qui nous consomment un temps incroyable, on va le donner à l'IA générative, donc pour pouvoir faire encore plus de choses Ou est-ce que c'est au contraire une invitation à revenir sur ce que l'on ne peut pas déléguer à la machine Ça, c'est la vraie question. Je reprends ça. C'est quoi, ce rôle du formateur ben, Est-ce est que c'est transmettre Je vous ai dit tout à l'heure, non. Par contre, créer des activités pédagogiques, oui, il n'y a que lui qui puisse le faire. D'aller inventer des choses qui soient au plus près de la réalité, qui soient proches de, euh, de ce qui intéresse des motivations, de la culture des personnes à qui, euh, à qui on s'adresse. Oui, accompagner. Ce mot-clé, accompagner, donner du temps pour pouvoir s'intéresser à chacun des individus et réussir à faire ce que la machine ne fera jamais. Jamais d'aller s'intéresser à chacun, de lui dire... C'est important et je ne te lâcherai pas, même si tu as des difficultés, je, je serai là, tu peux m'appeler, on vous pourra parler. Et, et peut-être que ton problème, ce n'est pas du tout un problème de contenu, c'est un problème psychologique, c'est un problème social, etc. OK, tu peux compter sur moi, c'est dans mon rôle. Quand on réinterroge, et je, vous en faites certainement partie pour nombre d'entre vous, pourquoi est-ce que vous êtes venus travailler dans le monde de l'éducation et de la formation Ce n'est pas pour le fric. D'accord Sinon, vous auriez choisi autre chose. D'accord Par contre... C'est parce que cette dimension humaine, cette dimension de rencontre avec l'autre, de responsabilité sociétale d'accompagner des gens pour leur permettre de grandir, de trouver leur place, d'apprendre à vivre ensemble, de travailler ensemble, ça, c'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin et d'aller bosser. Eh bien ça, on ne pourra pas le déléguer à la machine. Et ça, on a cette opportunité aujourd'hui de pouvoir avoir du temps qui nous est gagné pour se recentrer sur ce que nous aimons faire d'accord aller à la rencontre de l'autre et aller l'aider. Donc ça c'est une sacrée opportunité. Changer sa posture. Et là je vais aller juste un tout petit peu creuser là-dessus, et je vais vous laisser du temps pour pouvoir parler et échanger. C'est que euh, je vous l'ai dit depuis euh, allez, on va dire simplement rien que sur les 30 dernières années, on n'a pas arrêté de nous vendre des révolutions technologiques qui vont changer complètement le métier de formateur, d'enseignant, etc. Et qu'est-ce qui se passe Les outils, ce n'est pas le problème. Il n'y a pas des bons et des mauvais outils. Il y a des bons usages et des mauvais usages. Et surtout, il n'y a pas d'outil magique. L'IA générative ne sera pas un outil magique pour permettre d'apprendre, en aucun cas. D'accord C'est juste... Un moyen, une ressource, avec en plus tous les tous les warnings que je vais vous donner, tous les points d'attention euh, et que, que l'on connaît maintenant, hein, mais euh, dans cette phase de maturité par rapport à ce retour d'expérience qu'on a depuis deux ans euh, en termes d'éthique, de déontologie, de stéréotypes surtout, etc. Donc tout ça on le sait. Mais, mais ce qui est fondamental, c'est que si on se sert de la technologie pour pouvoir continuer à former comme on le faisait avant, là où on voit que ça ne marche plus trop en hein, présentiel, si on continue à faire les choses comme avant, si on se sert de la technologie pour continuer à faire ce qu'on faisait avant, ça ne sert à rien. Ce sont des opportunités pour changer de posture pédagogique. Et c'est là où ça devient très difficile, parce que changer sa posture pédagogique, ça veut dire accepter qu'on va transformer son rôle, sa place, que euh, dans... Et on va pouvoir s'appuyer sur des relais qui sont des relais technologiques. C'est donc, et là, l'IA générative est vraiment une opportunité fantastique pour réinventer sa place d'enseignant et de formateur, pour pouvoir aller se recentrer sur ce que l'on aime faire. C'est là, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence Devenez des formateurs, devenez des enseignants augmentés. Vous ne serez pas remplacés par l'IA générative. Par contre, vous serez remplacés par ceux qui utilisent l'IA générative. Donc devenez vous-même des enseignants augmentés pour pouvoir aller tirer le meilleur de ce que vous savez faire. Euh, parce que pour pouvoir réussir à, à faire cette transformation, il faut garder en tête ces éléments-là qui sont absolument fondamentaux. Aujourd'hui, nous n'avons que très peu de garanties en termes d'éthique de machines à générer des stéréotypes incroyables. L'IA générative, c'est quelque chose qui calcule la probabilité la plus grande qu'un mot suive un autre un mot. Ça ne sait pas ce que ça dit, hein, mais ça mêle les mots les uns après les autres. Donc cette machine à aller générer des stéréotypes, c'est exactement aussi tout ce contre quoi on se bagarre, les stéréotypes. Donc euh, il faut faire gaffe. La question des droits d'auteur, à qui ça appartient ce qui est produit et tout le corpus que je mets sur lequel je vais travailler, est-ce qu'il est protégé ou est-ce qu'il nourrit la planète entière et, euh, et, et, et les grandes compagnies La question de souveraineté, de qui on dépend quand on s'en sert Est-ce qu'on a une autonomie par rapport à ça Est-ce qu'on a un pouvoir, un contrôle Et finalement, maintenant aussi, alors que l'on vient de passer ces deux ans d'exploration du potentiel de l'IA générative, D'aller prendre ce petit temps de recul et de retrait pour se dire, mais finalement, est-ce que j'en ai besoin là, d'aller faire ça Est-ce que j'ai besoin d'utiliser l'IA générative tout de suite Oui, non. Est-ce que je sais le faire tout seul Est-ce que j'ai le plaisir de le faire tout seul ou pas Et, et, et d'aller vraiment se poser cette question avec, en plus, la question de l'impact environnemental. Avec qu'est-ce que ça veut dire quand j'appuie sur le bouton et que je fais tourner les, les réseaux, la machine, etc. Est-ce que ça en vaut la peine est ce que euh, euh, c'est quelque chose qui a du sens ou pas aller prendre le meilleur du numérique c'est savoir prendre cette distance pour pouvoir dire finalement euh, ça je peux lui déléguer et ça me permet de me recentrer ça ça vaut pas la peine et, et, et je sais très bien m'en passer euh, je le dis l'IA ne remplacera pas les salles de formation ni les formateurs mais euh, par contre ça vous permet, nous permet de nous consacrer aux interactions significatives avec les apprenants, ce pourquoi nous faisons ces métiers. Donc devenons des enseignants, des formateurs augmentés. C'est un vrai beau défi. En plus, ça nous permet d'apprendre, apprendre à s'en servir, apprendre à renouveler nos pratiques pédagogiques. Et ça, c'est un sacré beau défi qui en vaut la peine. Donc, euh c'est vraiment l'invitation sur laquelle je veux, moi, y aller. Je dis, se recentrer sur les apprenants, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Hop, c'est tout. Et du coup, j'ai sauvé 13 minutes pour qu'on puisse maintenant, parce que je sais bien qu'en disant tout ça, je provoque. C'est volontaire, c'est ma place. Je dis que je suis un décapsuleur de tête. Je veux vraiment faire penser autrement parce que c'est comme ça qu'on peut tous avancer en remettant en question et en se regardant un petit peu avancer pour pouvoir voir comment bouger les choses. Donc allez-y, parlons maintenant ensemble et challengez-moi, c'est ce qui m'intéresse. Le challenge est lancé. Est-ce que vous avez. Ah, ben oui, bon, j'aime ça. Bonjour, merci beaucoup pour cette euh, conférence. J'ai passé une heure à m'entendre parler, donc je suis... <laughs> ça fait un, un moment depuis 30 ans qu'on peut dire jean Je suis Laurent Souchard, je suis prof à l'U4. Je suis arrivé il y a un mois au Québec. Je travaille beaucoup sur l'utilisation des technologies et du changement, et je suis toujours désespéré, notamment en mathématiques. Ça fait 40 ans qu'on dit d'utiliser des, des petits outils simples. Euh, les formations, les profs que j'ai eu il euh, y a une semaine me font exactement la même phrase qu'il y a, euh, qui, ça... qui, qui a 30-40 ans. La question, changer de, en tant que formateur, comment on peut effectivement devenir un formateur, un enseignant augmenté dans une école qui, elle, ne change pas <laughs> C'est ça le problème. Eh oui. On, on, C'est moi ça, ça me voilà. Ah ouais, très très bonne question, très, très bonne question. Euh, j'ai cette chance-là. Euh, on m'utilise pour pouvoir aller voir les comités de direction, pour aller voir euh, les, les, les dirigeants, parce qu'il il paraît que j'ai la légitimité pour pouvoir le faire, parce qu'en plus je représente la filière industrielle. Donc ce que je dis là, euh, vous avez, j'ai pas parlé de techno et d'industrie, et pourtant, et on a des membres qui sont géniaux, qui font chacun des choses incroyables. mais, mais euh, j'ai ce rôle d'aller dire, attendez. Si vous, vous êtes dirigeant de, de, de l'organisation, si vous vous ne changez pas votre regard, et si vous, vous ne comprenez pas que vous devez absolument modifier tout, que l'évaluation n'a plus aucun sens avec l'IA générative tel que vous le faites, sinon vous allez continuer à les produire. Est-ce que le rôle de l'université et de l'enseignement, c'est de faire que les gens ils aient un diplôme si, si vous restez avec cette vision-là, vous êtes mort vous êtes mort parce que vous êtes en train de préparer des gens dans un cursus dans lequel vous vous faites en sorte qu'ils vont pouvoir passer le diplôme et qu'il n'aura plus aucune valeur. est ce que vous voulez par contre faire que vos étudiants deviennent des citoyens compétents? eh bien là on remet tout à plat. Et là, on va parler réellement de compétences, on va aller réellement dire, ben maintenant, euh, on ne veut plus qu'il y ait un rapport, qu'on ne veut plus qu'il y ait une, euh, un, un mémoire, mais on veut des gens qui vont venir sur scène parler de ce qu'ils ont fait, non pas simplement délivrer le produit de ce qu'ils ont fait, le rapport, le mémoire, mais être capable d'expliquer de comment ils l'ont fait, comment ils ont utilisé l'IA générative pour pouvoir le faire, en disant, tiens, j'ai eu ça, voilà comment j'ai fait, voilà ce que ça m'a appris, et surtout d'aller parler d'eux-mêmes, de comment ils se sont transformés en utilisant ça et en faisant ça. Quelle est la seule valeur ajoutée C'est ce que j'appelle l'évaluation des trois P. Le produit, le processus et la personne. Et c'est ces trois dimensions-là qui, qui vont permettre d'avoir appris quelque chose pendant son cursus de formation. Mais ça, ça oblige à remettre en place beaucoup de choses. Et, et, et si les dirigeants des organismes euh, ne le comprennent pas, et bien ils amènent leurs équipes et leurs diplômes dans le mur. Bon point, très bonne question. D'autres questions Ok, on est déjà maïqué, on est prêt. Votre nom, votre question, allons-y. Bonjour, Quentin Villas, on se connaît déjà. On sait déjà qu'on a les mêmes avis sur beaucoup de choses. À nouveau, moi aussi, je me suis senti comme si c'était moi qui parlais. Donc, ça fait beaucoup de bien. Merci pour cette présentation. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour savoir si. Euh, pour parler d'une un, chose dont, qui m'interroge beaucoup, mais dont je n'ai aucune information pour l'instant. Et peut-être que vous en avez, vous pourrez m'éclaircir. J'aimerais parler de l'impact environnemental. Aujourd'hui, euh, on sait tous que c'est une catastrophe environnementale. Ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire quoi Comment on pourrait améliorer ça Est-ce qu'on a déjà des ordres de grandeur ou des choses, qui, euh, des informations vulgarisées que tout le monde pourrait comprendre Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais y a, je vais prendre un exemple d'un des adhérents à Tech France qui euh, travaille, qui s'appelle Anemone et qui travaille sur euh, un outil en ligne qui permet d'aller faire ces interactions avec ces exercices qui permettent d'apprendre à distance. Elle travaille avec un seul média qui est le SMS. En disant, quand j'envoie un SMS à mes apprenants et ils vont me répondre via le SMS ou WhatsApp, etc., par entre ça et l'aller utiliser de la vidéo, c'est un rapport qui est de, je crois, de 1 à 10 000 en termes d'impact mmh. environnemental. C'est juste, euh, encore une fois, et, et le but n'est pas remplacer de remplacer la vidéo. Euh, on ne va pas aller apprendre à, à Photoshop avec du SMS, d'accord Mais, mais c'est que euh, de penser que ça serait, c'est que la vidéo la solution, ce n'est que le serious game la solution, etc. Dès qu'on rentre dans quelque chose, où on veut aller imposer le média pour tout, c'est une erreur. L'invitation que je lance, c'est reposez-vous la question à tout moment mais pourquoi est-ce que je vais mettre de l'image là Est-ce qu'elle sert à quelque chose Pourquoi je vais mettre de la vidéo Pourquoi je vais mettre du son Pourquoi est-ce que. Je veux dire, tout, il faut challenger tous les choix des ressources pédagogiques que l'on va produire, qu'on va utiliser pour se dire est-ce que pédagogiquement ça a du sens Oui, dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine d'aller. Euh, générer un impact environnemental non, eh ben allons au plus frugal, allons au plus économique, au plus intelligent. Merci pour votre question. Super point. Continuons. Monsieur est debout pour sa question. J'aime ça. Non, je okay. <laughs> J'ai adoré votre exposé. Cependant, moi, le professeur augmenté, le pédagogue augmenté, l'enseignant augmenté. Tous ces gens-là existaient en 1900, en 1618, actuellement, puis ils utilisaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition, mais ils le faisaient avec des apprenants, puis ils étaient motivés. Vous, le quand vous nous avez parlé aujourd'hui, on vous écoutait, vous aviez une gestuelle, vous étiez un pédagogue hein? qui expliquait quelque chose. Ma prétention est la suivante, c'est que si on regarde depuis un mois les avancées technologiques du point de vue de l'intelligence artificielle générative, plus l'augmentation de la technologie en termes des robots, quand on a été témoin de présentations où l'agent conversationnel qui s'adresse à nous on peut l'interrompre en temps réel, il va nous répondre en temps réel avec des temps de latence qui sont minimalistes, il va pouvoir changer son intonation, il va pouvoir être le maître qui, est, qui parle fort présentement ou qui va être en douceur, tranquillement, pour transmettre son message, qui peut orienter, qui peut parler à son individu à minuit, à deux heures, indépendamment du temps. Vous avez parlé du facteur temps. Si on a accès à cette machine qui, dans X temps, va articuler, parce qu'il y en a, j'ai vu des vidéos d'articulation de robots. Moi, ça me faisait peur, la manière qu'ils sont capables de faire des degrés de liberté de leurs mains, plus tard de leur visage. Puis, si vous ajoutez l'intelligence générative, artificielle, pas actuelle, mettons, on projette, je ne dis même pas un an, alors, faut se poser de sérieuses questions sur le pédagogue, sa place. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette révolution qui est quand même unique dans l'histoire de l'humanité, à mon sens à moi. Oui, en, on en reparlait hier soir. Je disais, ça fait partie de, de cette littératie de films qu'on doit tous avoir vu, mais le, le, le film *Her*. Dans lequel euh, on tombe amoureux de son système d'exploitation dans son téléphone, ça nous interroge grandement. C'est vrai. Euh, ou Human Robots, euh, la série suédoise, etc., euh, tout ça, c'est des choses qui, qui, qui bousculent. Hein, je suis d'accord, je n'ai pas la réponse. Hein. Moi, je, je continue à dire, je continue à croire que l'émotion ça fait partie de l'humain. Que la capacité à, à, à aimer l'autre, à avoir l'attention et à savoir susciter l'attention de l'autre, ça reste humain. Mais, euh, mais je ne suis pas devin. Donc, euh, oui. euh, et, et en gardant quand même en tête aussi euh, cette, euh, euh, cette mise à distance par rapport euh, à la manipulation. Mais l'humain s'est manipulé aussi. Hein. Donc la machine s'est manipulée. Et l'homme s'est manipulé. La machine qui s'est manipulée. Donc papa... Euh, bah, bah, bah. Papa, ah, papa. Merci pour votre question. Oui, bonjour. Bonsoir. Ah, okay. Donc, euh, mon nom est Diane. Donc, tout d'abord, merci euh, pour votre présentation. Donc, euh, je vous laisse euh, vous poser peut-être euh, quelques questions. Donc, tout d'abord, moi, je ne suis pas un professeur, ni enseignant, ni chercheur. Donc, euh, on vient de lancer une start-up d'accompte sur salaire, mais aussi on fait de l'éducation financière. Donc, je veux dire, euh, veut veut pas, on est quand même dans des sociétés euh, capitalistes. Donc parfois, on pense que si euh, on n'a pas euh, un peu de notions euh, euh, financières, c'est comme jouer à un jeu d'échecs sans pour autant connaître les règles. Donc ma question est la suivante comment est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut faire une sorte de maillage, je sais pas, de connexion pour permettre une bonne connaissance, une bonne éducation au niveau des finances personnelles. Wow. Alors, question pas simple parce que euh, le, le, sur, sur le champ, il euh, y, y, y a le domaine de la finance personnelle et oui, c'est un vrai enjeu, savoir être autonome, savoir euh, avoir une maîtrise. Mais on peut le mettre aussi dans, dans tout un tas de champs de, de la vie. Je vais, je vais, je vais y répondre qu'à moitié, donc euh, peut-être un petit peu décevant, mais c'est pour dire oui, oui, nous avons une responsabilité à former les citoyens de demain. Et quand il est demain, ça commence demain. C'est pas dans le futur, c'est de demain. C'est-à-dire que cette, nous avons à responsabiliser les citoyens sur cette capacité et à, à, à apprendre, à avoir l'esprit critique, à, à être autonome dans, dans la vie quotidienne. Et le challenge, il est énorme par rapport à, à tout ce qu'il y a à faire. On peut se servir de ce potentiel de l'IA générative, de, du potentiel de tout ce que la techno nous apporte. Mais euh, je vais... Parce que c'est l'heure. Je vais... Conclure sur une chose fondamentale, c'est euh, on a surtout à apprendre à tous les individus ou à réapprendre la chose la plus importante, la mission la plus importante. Ça s'appelle le vivre ensemble. Ouais, très bien dit et merci pour votre question. On applaudit Yannick s'il vous plaît. Merci beaucoup Yannick. Euh, merci, merci beaucoup. Excellent. Euh, ceci met fin à la grande conférence de Yannick et je pense qu'on est tous d'accord. Ce fut complètement captivant et je pense qu'on aurait pu continuer à jaser avec Yannick qui est un excellent orateur, professeur, comme le disait monsieur. On a tous appris et jasé euh, euh, et approfondi dans le sujet. Alors, on va prendre une petite pause et on a un beau panel pour continuer l'après-midi et tout de suite après le panel, c'est la remise des prix pour les MTL Tech Awards. Alors, on prend la pause, la sortie, elle est à l'extérieur. En arrière de la salle, et on se retrouve tout à l'heure. Merci, bonne pause. À tout de suite.